du territoire d'origine de M. Laurent Désiré Kabila. J'ai reçu les instructions claires et nettes du commandant suprême des forces armées, de la police nationale et du service national, chef de l'État, son excellence monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, pour venir dans le village qui a vu naître, non pas naître, le village d'origine si je peux dire ainsi, de feu le président M. Laurent Désiré Kabila, initiateur du service national, afin d'y ériger une école et un hôpital en son hommage, les deux infrastructures qui devraient porter son nom. Ici, c'est symbolique dans le sens que ça a vu grandir, étudier et vivre un des plus grands leaders de la République en religion, qui fut ancien chef d'État et de surcroît initiateur du service national. Donc c'est normal que les infrastructures ici porte le nom. Et ça, c'est la décision du commandant suprême, chef de l'État. Ne manquez plus aucune émission. Voilà.